Ça qui dit là, boa lula matou, loué nous que télévision ou tout, Congo Live télévision, toi ça qui dit là, beaucoup sungula, boa kumanya maloua, matou mingi naba. Tous les spectateurs banso ba Congo Live télévision, ba kei kolanda beto na ngongaya yi bozali na diaspora. Nous disons merci de votre fidélité à notre chaîne Congo Live télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Aujourd'hui, les dames et messieurs, à santé quoi, bah, téléspectateurs, beauté, bah, Congo Live Télévision, bah, na tuchagula, sekuya leo, kwa dilia kuba patiama abari mbali mbali, nous disons merci de votre fidélité, les dames et messieurs, bonjour, ça dépend de là où vous êtes, tulobi mbote, nabisika bozali, na mboka ya bapaya, ndenge lubamaka, bozali na diaspora, toke koloba mbote na ba kongomani nyonso oyo bazala ba secteur oyo bisika ba rebelle du M23 lelo bisika ba fandeli tolobi mbote na ba konzi nyonso ya République démocratique du Congo ba yebanso bazali na makoki ya ko décider pour que bitumba esila dans l'est de la République démocratique du Congo. Toke ko rappeler bango ke mukolo mwalelo bazana deux filles munene oyo ezuzela bango na kati ya est ya République na mboka na biso bazana deux filles munene ya babalabala bazana deux filles munene ya mai ya courant ya quotidien pe na sane ya congolais alingia mona yango lelo to lobby esalema o ba mosusu bazolinga na bango pe kimia ezala rayel na kati ya bisika Oyo, bazalaki kofanda. Le dames et messieurs, est-ce que justice Oyo tozo lobela na kati ya République démocratique du Congo? Ezaka ka malade, lo lenge mokonzi ya mboka alobaki un jour que justice na biso eza ya kobela. Mukolo mwalelo tokolobela justice congolaise Oyo ezo poursuivre makambo Oyo ezo sala tokolobela lo lenge nini Oyo Azali mokonzi ya justice maître Costa Mutamba azo entame ba processus ebele tozo mona ye na ba ligne ya front pas sur la guerre mais ko bundisa ba antivaleur oyo azo mené ba front lelo ezala na niveau interne ezala na niveau externe si le plan régional national qu'international le ministre de la justice continue ba action na ye ba tu ebele bazolo ba eza politique populisme oyo azo sala est-ce que eza yango tout au long de cette émission au cours de ce débat qui sera consacré pour 20 minutes otoko kabela kaka 20 minutes oyo tokozala biso na bino kolobela likambo ya justice kolobela makambo oyo ye azo sala Ezala ki na niveau national, ezala ki na niveau régional. Aloba kike, ye mutu akobumaka Kagame avant ki akufa. Les archives ezali, ezala ki déclaration na ye avant kutu azala ministre ya justice. Mokolo akota ki en fonction. Aloba ki bokende koyebisa Kagame, to boyebisa Kagame. Nga mutu nakokangisa kaye bisika batu oyo Batika kokangayete bazalaka. Mekanisme nini oyo? Costa Mutamba akosala pour que ba arrete Kagame. Batu ebele baloba. Ba prédécesseur nae baloba. Monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême ndenga babenga kaye. Le gara ya bon fonctionnement ya ba institution étatique. Aloba yango ebele, mais nous n'avons jamais vu des sanctions kobima bisika songolo ekwelela Paul Kagame au-delà ya ba dénonciation parce que nga na benga kango dénonciation nako benga ngo sanction toutefois le gouvernement prend en témoin la communauté internationale le gouvernement congolais et ça la makambo wana okoyoka Amérique lobi nous condamnons fermement la MONUSCO et nous condamnons fermement L'Union européenne est condamnée fermement. Mais balobi to sanctionné boye. Les intérêts que Rwanda banaki kozuwa bisika songolo to kati yango to tika kozo kango nanute. À part oyo kokosa ba congolais vouloir aveugler les congolais
Oyo Union européenne loba ki ekati financement oyo ya 20 millions de dollars et singla ki ezala acheminer la Rwanda pona armée RDF na bango. Constant Mutamba akoti na kati ya jeu. Cette fois-ci a beti bisika ya CPI Cour pénale internationale oyo Constant Mutamba akoteli. Est-ce que akolonga vous personnellement kokende au-delà avant même que to exploité les éléments que nous avons aujourd'hui. Avant même que to tie la bino ba vidéo ya likambo yango bino bisika bozali bino bisika bofandi koma bozotala to bo réagira kana ba commentaire et mettez vos avis et mettez ba commentaire na bino qu'est-ce que vous pensez na politique oyo ya Constant Mutamba. Au-delà d'être courageux, est-ce qu'il a votre soutien aujourd'hui? Tous ont accusé l'apologie à Mutamba, mais tous ont décrypté. Tous ont décrypté un long mot. Makambo Oyo Azosal. Si c'est bon, il s'est en train de faire. Si Azokota, il y a une erreur, tout est mis en place Azokota. Et c'est en train de faire parce que, il y a une erreur, il y a une. Vous êtes des milliers de Congolais, peut-être qu'ils savaient plus que lui. Mais que peut-être lui, Lelo, Azana Posa, il y a connaissance Oyo Zanango. Mettez votre avis, pensez na yo, exprimez en go na commentaire. Constant Mutamba a lobby CPI Ezo Salamu Salate. Lolenge Sengela ki et Salema. Totanga article Oyo et puis la technique va balancer. Ces vidéos, Oya Constant Mutamba sala ki ango lobby na conférence Oya bazala ki nango la batu ya CPI et puis toko sala analyse toko décortique vidéo moko na moko to ban article onan RDC justice le silence de la communauté internationale sur les crimes de guerre inquiète une fois Constant Mutamba. Constant Mutamba fustige le silence de la Cour pénale internationale CPI face aux crimes de guerre commis dans la partie est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs. L'élite de Luboa s'insurge contre la passivité du procureur de la Cour pénale internationale qui peine à délivrer des mandats d'arrêt contre les auteurs de crimes contre l'humanité perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la guerre, Israël bar Hamas, les procureurs de la CPI sollicitent des mandats d'arrêt contre les premiers ministres israéliens et les chefs du Hamas alors que pour les mêmes crimes graves commis en République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, aucun mandat d'arrêt pour Paul Kagame a déploré ce mardi, monsieur le ministre de la Justice. Le leader de la DUPRO, OESA Parti Politique Nae, a rappelé avoir déposé plusieurs fois des plaintes à charge des auteurs de crimes dans la partie Est. La dernière en date, t-il et celle déposée à l'office du procureur de la CPI à charge du président rwandais Paul Kagame, de Corneille Nanga, et le principal responsable du mouvement terroriste AFC M23 ainsi que leurs complices. Les actes ignobles commis contre les Congolais constituent ni de plus ni de moins des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces derniers sont réprimés par les statuts de Rome, a martelé Maître Constant Mutamba. Le procureur de la CPI, Karim Assad, admet qu'Han a été à maintes reprises saisi à travers des dénonciations avec des preuves documentées à l'appui
pour activer des actions judiciaires fortes à charge des auteurs de crimes internationaux mieux identifiés. Malheureusement, le chef de file de l'opposition républicaine, Costa Mutamba, constate que la juridiction s'est mise dans un silence injustifié. La CPI est-elle devenue complice des minerais de sang exploités dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise sous les commandements de Paul Kagame? S'est-il interrogé Maître Costa Mutamba? Wana ezali, parce que si, il faudra bien comprendre cela, assis à déposer lui-même d'abord à titre personnel. Asi a déposé ma plainte contre Kagame na CPI, contre ba Corneille Nanga na CPI. Maintenant, nous avons une réponse. Attendez qu'on tient mon sou sous le cola. Au nom du gouvernement congolais. A l'obité, les Kambango et Kemusika. Au nom du gouvernement congolais. Les Kambango et Salim. Ma réponse est Zobi Makunate. Technique Tielanga vidéo, mettez pour moi la vidéo ou bien ces vidéos. Et ça, trois vidéos. Boyebo Tielanga en exclusivité en Gognoso. Comme ça, Balanzi, la Congo Live Télévision, Balanda, comment est-ce qu'il a déclaré. Et puis, on revient sur ses propos pour qu'il soit analysé et longo. Bobandela na vidéo, Oyo Azo menacé. Qu'on retire RDC na statut à Rome oyo soki ces pays ezo sa de l'autre côté et puis botia ma monsieur wana où il se demande pourquoi est-ce que on ne sanctionne pas Paul Kagame. Je vous rappelle qu'ici à sala qui vidéo wana pas dans le nul, pas dans le vide, pas devant les membres du gouvernement congolais mais devant les membres de la CPI à Kinshasa. Deva batu ya CPI, batu oyo bayaka ki poto wapi mikili kuna, bazaki na ba conférence na bango, bazaki na ba conférence na bango, eza bisika a déclara ki makambwana. A banga kite, ke no azo loba liboso a bandele, oyo baza concerné na likambwana ndia kubanga, a loba ki ango devant batu wana. Boti langa ba video, comme ça on se retrouve juste après les dames et messieurs, après ba video wana to analyse longo. Les dames et messieurs, balandi ya Congo Live Télévision, je vous propose de suivre ces vidéos et puis on se retrouve. Nous voudrions que la CPI nous rende la monnaie de notre pièce. Nous avons été le dernier pays signataire du statut de Rome ayant permis l'entrée en vigueur de ce statut. C'est grâce à la RDC que la Cour pénale internationale en fait a lancé ses activités à travers le monde. Et en retour, c'est ce que nous observons. En retour, la CPI, depuis 2004, comme le professeur Taylor l'a dit, il y a eu le premier déferlement. Il y a une deuxième situation déférée devant la CPI. Mais qu'attend la CPI pour traquer M. Kagame? Je me dis, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une question d'épreuve. Vous êtes beaucoup plus outillés, vous avez des drones, vous savez en ce moment-ci où se commet un crime, maintenant là. Vous êtes capable de pouvoir documenter une preuve, plus que nous. Mais pour le Congo, vous dites que nous sommes en train de rassembler de preuves. Ça fait donc 20 ans, ça fait 24 ans que vous êtes en train de rassembler des preuves. Ça fait 30 ans que vous êtes en train de rassembler les peuples. À quand la poursuite de M. Paul Kagame? Être des intérêts. Donc si nous n'avons pas d'intérêt, si nous ne nous retrouvons pas dans les actions de la CPI, si nous considérons que la CPI est plutôt là pour caresser au sens des poils nos agresseurs, nos tueurs, nos pilleurs, eh bien, moi, ma proposition sera de nous retirer du statut de Rome et de nous assumer en tant que peuple. Un peuple autonome, déterminé, souverain et engagé. Ça sera
thérapeutique. Parce qu'à un moment, nous nous sommes dit que la CPI s'est servi des Congolais comme des cobayes. Cobayes. On a arrêté Martin Djolo, Katanga et bien d'autres, en fait, pour faire vivre la CPI. Mais tous les grands criminels qui pillent nos ressources, qui tuent nos populations, frappent librement à leurs occupations. Bien au contraire, ils sont accueillis en roi dans certains pays occidentaux. Et ça, nous n'accepterons. Nous voulons d'une coopération gagnant-gagnant. C'était donc Costa Mutamba, ministre de la Justice congolaise, qui est présent à présent, ou voulais-je dire, qui est en train d'exercer ses fonctions comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. La République démocratique du Congo, Oyo, a sa qui ba déclaration à Liboso, ou bien devant, dans une salle, en réunion, en conférence avec le membre de la CPI, où il a déclaré ces choses. La RDC menace de se retirer du statut des Roms. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Maître Costa Mutamba, a déclaré ce mercredi que le pays pourrait se retirer du statut des Roms. Les traités fondateurs de la Cour pénale internationale CPI, si nous ne nous retrouvons pas dans les actions de la CPI, ma proposition sera de nous retirer du statut des Roms, a-t-il annoncé. Cette déclaration intervient dans un contexte de critique croissante envers la CPI et des questionnements sur l'efficacité et l'impartialité de ses actions. La République démocratique du Congo menace de se retirer de ses statuts de Rome ou bien statuts Oyo ya Rome, ce qui s'est pays et continuer à jouer position Oyo Nango. La CPI s'est servi des Congolais comme des cobayes. On a arrêté des gens pour faire vivre la CPI. CPI est Salaki. Et Salaki commis servir na RDC, na ba Congolais, le cola ba cobayes. Bouébi ba cobayes. Ne l'olenge ces pays et Zalaki ko mi servir na ba Congolais, a déclaré Costa Mutamba. Quant à la CPI, Zelinani pour traquer M. Paul Kagame, c'est l'une des plus grandes questions. Même bana oyo bazana na libumu ba yebi ke Kagame azam mutu oyo azo sala mabe na este amboka. Mais est-ce que tout le monde a ces pays et ça sima? Yali Kambo O et Zo Salim. Nakati a RDC. Et ça peut mituna Oyo Azaki komituna. Est-ce que baza sima? Parce que au moins silence na bango et ça expliqué te. Leur silence ne s'explique pas. To ebite lo lengeni ni bakwebi sabiso bazo agir te lelo. Est-ce que ma preuve n'est pas te? Est-ce que diplomatie n'a pas été aussi maté? Ou bien procédure biso n'est toujours entamé en haut, mabé. Mais pas de sanctions pour Paul Kagame. Pourquoi est-ce que Bazo joue Paul Kagame te? Si nous ne nous retrouvons pas dans les actions de la CPI, en outre les Akoloba, ce qui est CPI, et allé libisoté. Ce qui ce pays est tranché, tel Ikamboyango, l'olenge sengeli est tranché. Ce qui ce pays, na affaire Oyo, et interposé ma pays, Mosus, tozo yo kaba sanction kili kili. Tongo, pourquoi? Chaque jour, contre Vladimir Poutine. Parce qu'on suppose aujourd'hui qu'ils ont agressé l'Ukraine. Mais lorsqu'on parle de la diplomatie, oh, même ils ont tambu samokili. Des sanctions contre Kagame, il n'y en a pas. Voilà tout ça niveau diplomatique. Est-ce que c'est Ngeli Bisopeto Zonga? Tout ça la réplique. Oh, ils ont proportionnel.
Oh, eza ko pesé. Si le Rwanda, eza yango nde ko senga même communauté internationale et mi impliqué de vrai dans cette affaire. Wana nyoso mituna, ezo mituna. Si nous ne nous retrouvons pas dans les actions de la CPI, de la Cour pénale internationale, ma proposition sera de nous retirer du statut de Rome. Yé à lobby, ce qui t'a mis retrouvé tes RDC. Ce qui est mis retrouvé tes, n'a qu'à t'y avoir action, y'a CPI. Proposition n'a yé, l'okola ministre, y'a justice et garde des sceaux. Et kozala, de se retirer, n'a statut Yarom, le ministre de la Justice, à l'ouverture mercredi des journées d'échange et de formation organisées par les bureaux du procureur de la CPI en partenariat avec la RDC. Le ministre de la Justice a déclaré cela à l'ouverture, c'est mercredi, c'est-à-dire hier, des journées, il y a pas journée à échange. Et des formations organisées par le bureau du procureur de la CPI en partenariat avec la RDC. A Yebisi Batou, il y a bureau à procureur, il y a CPI. Que ce qui m'a dit, c'est de trouver Tena Katia Makambona Bino. Dans vos actions, dans vos affaires, la RDC sera obligée de se retirer na Katia Bastatiko Stati de Rome. Le loto moni moutambazo a entamé plusieurs fronts. Est-ce que Azali na lisungi à peuple congolais? Est-ce que ba congolais baza simanaye? Comment vous évaluez-vous personnellement dossier Oyo azo entamé? Information à l'éloque, il a menacé cela devant les membres du bureau des procureurs, bien du procureur de la CPI à Kinshasa, à Ebisi Bango. Que comment est-ce que CPI ils ont traîné Kozoua Kagame? Nini Bazo Zela? Est-ce que Bazo jouait complicité dans Katia Likambouana? Voilà l'information concernant Mutamba. Journée à l'obis qu'on avait à partager aujourd'hui. Et enfin, la MONUSCO se tient prête à soutenir le mécanisme civilo-militaire et de protection des droits humains et du droit international humanitaire que la SAMI RDC a mis en place pour éviter les pertes civiles. Nalolenge Mosusu, Nations Unies et Pesaki. Autorisation pas à SADC et puis si autorisation pas à MONUSCO Kosunga SADC d'une manière logistique, mais MONUSCO yango moko eza 25 awa yango d'abord MM ont échoué. Alors celui qui a échoué sera capable à soutenir l'autre pour ici le lenge na noye moko sa 25 ans ba SADC bazaka na 7 mois 8 mois yango ya 8 mois bazali ya MONUSCO 25 ans. Total à l'Ikambo. Mais tout ce que nous invitons aujourd'hui est que les autorités congolaises basent à faire au sérieux. Ba ministre Bisika Bafandi, je m'en vais. Je vais m'adresser à tous les ministres. Bisika Bafandi, il y a industrie, il y a commerce extérieur, Nyoso, il y a justice, il y a défense, il y a affaires étrangères, il y a économie, il y a finance. Ba ministre nyoso ya sport, ya urbanisme, mutu nyoso bisika azali, azali la ministre actuel. Bosale la peuple, ezali lokwa soni, ki baya konemanie bino, et vous n'avez encore rien fait, vous allez présenter des excuses que j'avais seulement 2 mois. 2 mois c'est beaucoup pour changer les affaires. 2 mois c'est beaucoup pour montrer la volonté de faire. N'êtes-vous pas jaloux d'attendre que Moutambande a marqué bino ba point? N'êtes-vous pas jaloux d'attendre que Yende, malgré que Bazo qualifié Angolo, que Bazo qualifié? Mais au moins lui a le courage de dire, de faire voir. Ate à Kolonga, ate à Kolonga,
mais au moins quand même on sait que AP yepe akanisela kalikambwana boyokama. Le peuple veut vous entendre. Bas sportif, bas on a besoin de changement. Ministre, y a sport. Bas sportif, bas on a besoin de changement. Bas tout haut, bas on kenera sena. Ils ont biloko Sony. T'as la biloko bas tu es DPS basari la sena. Désordre. Moko ezaba congolais, je l'ai encore dit ici avant-hier. Moko ezaba congolais, za UDPS, c'est pour les congolais, tous les congolais en général. Voilà où Joël Kitenge se trouve à Paris Insta. Il a menacé, il a injurié le général de la PNC. Blaise Kelimbalimba, ya zawa Pierre aussi go. Ba tu batika ba avant-hier. Ba vieux oyo bazui ba mbongo na sena, c'est très honteux. Eza biloko ya Sony. Biloko ya Sony obozo sala kuna. Mais comme il n'y a rien à faire, exemple à mort et c'est là qu'il y a Biska Bozali, mais Bilonde Bozo Ibali sous Mboka Yango. Et ça, Sony. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toi, ça qui dit là, Matondo Mingi, merci à santé. C'est la fin de cette émission que nous avions à vous apporter quelques nouvelles. Il y a Mukolo Mwalelo, Nazraki Youssouf Kibingila, David. Journaliste d'investigation, Oyo Amemela Kibino ba information to basango. Essayez un peu de réagir. Kanisa Ndenge Olingi, tiens un commentaire, partagez votre avis na commentaire. Les dames et messieurs, fin de cette émission, je reste disponible plus 243 993 46 71 93. Bonne journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités.